J'ai passé toute ma vie dans l'exploitation familiale. Dès que nous étions en âge de tenir un outil, nous aidions pour le soin aux animaux, et surtout dans les champs l'été, pour arracher les mauvaises herbes, dans les chourèbes, les lisettes ou la maugette. Nous avons tiré sur les ravenelles, pleuré pour arracher la miasse et l'herbe grasse. On s'est frotté au chardon et aux orties. Cela pendant que mes petits copains partaient à la piscine aux Essarts, ou en colonie de vacances. Papa et maman n'étaient pas des bourreaux, mais c'était comme ça. Ainsi, quand sont arrivés les herbicides, quel bonheur! Qu'on veuille l'admettre ou non, l'arrivée des herbicides fut un progrès pour l'agriculture. Alors bien sûr, on en a usé et abusé. Certes, on a pollué, mais on a surtout fait ce qu'on nous a demandé de faire. Produire de plus en plus et surtout fournir un marché avec des produits de base de moins en moins coûteux pour le consommateur. Dans le grand débat actuel de l'agriculture, il ne faut pas oublier d'où nous venons. À la fin des années 50, il fallait sortir de la dépendance alimentaire. L'agriculture française a dû s'adapter, progresser, exporter et même faire trembler les États-Unis sur le marché mondial des céréales et des produits agricoles. Depuis quelques années, le modèle agricole intensif, avec l'utilisation de fortes doses, est remis en cause. Désormais, les agriculteurs doivent acquérir des compétences et se munir de matériel fiable pour utiliser des doses minimales. On ne peut que l'approuver. Les bien-pensants, eux, laissent à penser que hors du bio, point de salut. Ce n'est pas parce qu'on est dans le conventionnel que l'on fait du n'importe quoi. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une réglementation plus sévère d'utilisation des pesticides est une bonne chose. Que ceux qui poussent ce raisonnement pour dire qu'il faut supprimer définitivement proposent des solutions viables de remplacement. Je ne crois pas pour autant que demain, le consommateur acceptera sur les étals les fruits troués des vers et du chou-fleur bouffé par les chenilles. Oui, chenilles. Le mot pesticide produit, évitant la peste qui doit inclure tous les médicaments, dont les antibiotiques. Tous ces produits sont bénéfiques, à dose prescrite, et toxiques au-delà. L'eau de Javel a tué de façon horrible des personnes qui en ont bu la bouteille. Pourtant, l'eau du robinet, conseillée par le service de la santé, en contient à faible dose pour prévenir des maladies. Le glyphosate n'est jamais utilisé sur la récolte, mais sur des mauvaises herbes, avant le semis de la prochaine production. Sa toxicité n'a jamais été démontrée, mais comme il est produit par une multinationale, les idéologues ne peuvent que le combattre. En effet, le glyphosate évite un passage mécanique, voire deux, pour travailler le sol et détruire les mauvaises herbes. Ce travail, il demande beaucoup de puissance, une consommation importante de fuel qui génère des gaz à effet de serre. L'Institut Ipsos a chiffré le préjudice causé par l'interdiction à plus de 2 milliards d'euros, si elle devenait effective, entre parenthèses, surcoût de production et diminution de récolte. Les communes qui ont pris la décision de bannir l'utilisation dès la première année ne savent plus comment gérer les mauvaises herbes. Les malheureux employés, ils sont rendus à couper une à une les mauvaises herbes qui poussent entre le pavé ou à les brûler au gaz. Nous, agriculteurs, on a su améliorer nos sites d'exploitation. On travaille dans le respect de nos terres et on aime et on respecte nos animaux. Je suis perdu. Notre agriculture fournit actuellement des aliments de qualité. Pourquoi toujours vouloir remettre en cause nos producteurs? L'an dernier, si vous vous souvenez, j'avais fait une prière. Comme ça n'a pas changé grand-chose et que les voies du Seigneur sont impénétrables, cette année, j'ai décidé pour interpeller de me mettre à poil. Ma femme n'est pas du tout d'accord. Elle m'a dit pour ce que tu as montré. Pour finir, je vais vous chanter une petite chanson de mon idole décédé en décembre. Vous l'avez tous compris, mon métier de boss, c'est l'agriculture et non la chanson. Merci pour votre indulgence. C'est dépassé ? Ouais, bon, c'est dépassé. Alors, j'espère que je ne vais pas trop me tromper. Non, là. C'est sur. C'est Johnny, bien sûr. C'est sur Marie, si tu savais, mais moi j'ai remplacé Marie par Emmanuel, notre président. Emmanuel, si tu savais tout le mal que l'on nous fait, Emmanuel, si je pouvais sur toi compter dans les difficultés, évanouis notre confiance. Tu es pour nous la dernière chance. Peu à peu, tout disparaît, malgré nos efforts désespérés.
Si tu tiens, Emmanuel, ce sera bonheur et merveille. Certains hommes sont devenus fous alliés, ils feraient tout pour n'y décourager. Oh, 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 oh. Emmanuel, si tu savais tout le mal que l'on nous fait, Emmanuel, si on pouvait sur toi compter dans les difficultés, et on court toute la journée sans savoir où aller. Dans le bruit, dans la fumée, on voit des agris désespérés. Demain sera le grand jour, il faudra faire preuve de bravoure, monter en front, en première ligne. Emmanuel, je t'en prie, fais-nous un signe. Oh, 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 oh. Attendez, c'est pas fini. J'ai pas fini, il me reste encore un petit couplet. Couché dans l'herbe, je m'éveille, réveillé par mes abeilles. Elles me disent que je n'ai pas de chance. Demain sera peut-être votre dernière danse. Emmanuel, si tu savais tout le mal que l'on nous fait, Emmanuel, je t'attendrai au salon pour te rencontrer. Emmanuel, je t'attendrai au salon pour tout te raconter.